Mesdames et messieurs, salut et bienvenue sur HPM Asian Public Media. Je suis Abner Gélin. Jeudi, c'est vendredi, si on plaisir qu'il nous ensemble. Si c'était pour la première fois qu'on trouve, tant pis. Gardez en bas là, on va prendre un petit bouton pour marquer subscribe. Cliquez sur lui-même. Et à côté, il y a une petite cloche. Cliquez sur la cloche là, tout afin que chaque fois de monter, vous soyez capable de trouver une notification. Comment nous y est? Comment je n'y aille? Pour moi-même, moi très bien. Et bien, qu'est-ce qui a passé à travers le monde jeudi là? Corée du Nord déployait des milliers de soldats dans la frontière qui séparait lui-même avec Corée du Sud. Il fait comprendre que le voyage soldat, ça ou là, c'est en préparation pour la guerre. La guerre avec Corée du Sud et Amérique. Kim Jong-un, avec cela, déclaré, il n'a pas fait confiance à Corée du Sud ou à Amérique. Il fait connaître que depuis quelques semaines là, il y a des actions qui ont faites dans la zone. Non. Et il connaît bien l'action, ça y c'est en préparation pour que l'Amérique, avec Corée du Sud, capable d'envahir le Nord. Je dis comme ça que si l'Amérique, avec Corée du Sud, a décidé de faire un travail comme ça, ça, c'est la dernière guerre qui a bataille. Je fais comprendre que y a des armes sophistiquées qui vous pouvez mettre dehors pour faire sûr que l'Amérique pas jamais, fait fréquent encore. Selon eux-mêmes, je dis que l'action que vous avez, bateau de guerre que vous avez, avion de guerre que vous avez dans la zone, c'est pour l'autre bagage qui est dans la tête de Mounsa, c'est envahir le pays, puis capable de changer le gouvernement, retirer les familles qui sont là et mettre en l'autre. Ça qui fait la plus difficile, c'est parce que dans le moment ça, la Chine, la Russie, les États-Unis et même l'Union européenne, ils sont inquiets. Parce qu'actuellement, il n'y a pas de contrôle de personne dans la zone. Si tu as la guerre qui déclenche entre Amérique ou bien Corée du Sud et Corée du Nord, c'est facile. La Chine et la Russie, ou même aussi tout, y a bien impliqué. Parce que selon ça, nous connaît, la Chine avec la Russie, yo c'est voisin Corée du Nord qui est. Et même là que la Chine n'a pas voulu entrer dans la bataille, là, depuis la bataille a commencé, quand pile monde capable de sortir, dans la Corée du Nord, qui va courir et réfugier dans la Chine ou bien et dans la Russie. Ça va créer une situation côté que Vladimir Poutine avec Xi Jinping, dans deux pays, ça n'a pas de choix, c'est pour entrer dans la bataille et capable d'empêcher et bien bagaille sa fête. Nous sommes capables de voir une situation comme des dynamiques qui sont dynamiques qui sont dans la zone et du feu presque prendre. C'est comme des cas de gasoline avec du feu, avec un allumette. Donc, le monde a regardé la situation qu'on y a là avec un peu d'inquiétude. Parce que si la guerre t'a déclenché dans un moment ça, eh bien, la situation n'est pas bonne pour n'importe monde, quel que soit côté qui est sur la terre. Donc, dans ce sens ça, le monde entier a demandé la paix, que yo négocie bagaille avec la paix pour que la guerre lui-même n'ait pas commencé. Parce qu'on la guerre dans Corée du Nord et Corée du Sud, qui a venu impliquer la Chine, les États-Unis et la Russie, les papes n'ont avantage personne sur la terre. Hier, c'était funérailles des 20 soldats qui étaient morts aux Indes. Comme nous connaissons semaine ça, il y a eu une altercation entre des soldats de la Chine et aussi aux Indes. Il y a eu une bataille pour un petit mot sur terre. Bon, on a dit que c'est un. En séparation, côté que yo tous deux réclamé et c'est eux-mêmes qui mettent zone non. Et ça vient permettre que le pas veut sortir by l'autre, donc il y a bataille pour lui. Mais comme faut qu'on ait que la guerre ça qui était faite entre eux-mêmes, non, on a eu la bataille. Il pas une bataille qui fait avec zam, pas même un coup de zam qui est tiré. C'est avec roche, avec bambou et avec mine de bataille. Et puis bataille, l'un bataille avec l'autre, casser tête, casser côte, blesser nèg avec bambou et 20 Indien mouri, et yon pa di nou combien moun nan pati chinois yon ki mouri. Dans sens sa, hier, te gen yon enterrement pou moun sa yo, pou mdou sincèrement, li te très émotionnel, parce que en pile moun nan pays Inde lan te kampe pou la yo, yon manifesté, yon brûlé tout bagay ki yon ka jwen ki gen la Chine la dan. Comme nous connaît, la Chine c'est li même qui factory moun lan, trois ka bagay ko wè, yon marqué made in China, et bien peuple Inde lan li même sa le fait. Ils tombent bouillés les bagages ça yo, crasé yo, point drapeau pays Chine dans bouillé dans la rue, point photo président Chine Xi Jinping, Xi Jinping bouillé dans la rue pour capable montrer mécontentement yo.
Now, on l'autre bagage qui est important pour nous faire nous connaître, c'est que bataille ça entre deux pays ça yo, il plus profond que seulement Timous au terre. Parce que ça crive qu'on y a là, si on a fait de prestige cap bataille qu'on y a là. Peuple indien pas ta voulait paraître faible devant peuple chinois. Et qu'on y a là, c'est responsable des présidents ça yo qui vous prouver que même le temps la paix, mais la paix a les fêtes dans un bagage mutuel côté que ne pas paraître weak ou bien faible devant peuple moyen. Et c'est ça qui fait que qu'on y a là, malgré que tout a demandé pour la paix, mais la paix a pas grand façon que capable faire. Seule façon pour ta fête, faut avoir un pays dans les États-Unis qui vous venir qui a fait une négociation comme ils ont dans mi-temps et puis juger aux deux et puis porter une solution. Mais entre eux deux personnellement, c'est difficile parce que quelque chose gens que tu as fait, faut chacun de eux ta réclamé victoire. Et parfois, il pas possible. Dans ce sens ça, il y a continué bataille pour Timous au terre cherche qui pas vaut rien et moun continue à mourir sans sens. C'est le monde, c'est la politique. Dans ce sens ça, n'a prié pour la paix capable régner parce que c'est ça que nous avons fait. Sous bagaille qu'a fait aux États-Unis qu'on y a là. Nous connaissons que c'est bagaille John Bolton avec Donald Trump. Maintenant, comme nous connaissons la Chine avec la Russie impliquée dans bagaille ça, eh bien la Chine font déclaration hier. Mais ça que le dit. Il dit s'il vous plaît, retirez dans parole ça parce qu'il n'a pas gagné pour avec politique en Amérique. Moi, je ne veux pas entrer dans bagaille ça. Mais la Chine n'a pas démenti que vraiment Trump demande pour entrer dans la politique des États-Unis. Il seulement dit que lui-même n'est pas impliqué dans la politique des États-Unis. Mais il n'a pas dit non, ce n'est pas vrai que pas de gain conversation ça qui fait comme ça vraiment vrai. Pendant qu'il m'a parlé avec vous là, eh bien, il y a tant d'arguments dans le tribunal des États-Unis. Côté que Trump, lawyer, yo, tout avocat Trump, il a discuté, mandé juge yo, pour empêcher que l'IVSA lui-même sorti. Comme moi, dis-nous, l'IVSA li pral sorti le 23 juin, dans ce moment-là, kap vini là, et le monde entier pral gen chance pour lire l'IVSA, et m'espère nous-mêmes, personnellement, dans HPM, nous pral gen chance aussi pour nous lire l'IVSA. Now, si je voulais parler un peu de la situation de John Bolton avec Trump, eh bien, le caractère de Bolton qu'on a là, il vient en jeu. Ça dépend de qui il y a. Actuellement, John Bolton n'est pas ni ami démocrate, ni ami républicain. Parce que ça qu'il fait, dévoiler qu'il dévoile les secrets, ça y est, permet qu'il devenu un bête marqué pour les républicains. Aussi parce qu'il pas dévoilé bagaille ça yo pendant que démocrate t'a fait choix li pendant que t'a accusé Trump pour bagaille ça yo et bien lui même aussi il vient paraître un bête marqué pour démocrate dans sens ça tout deux monde ça tout deux groupe monde ça yo aller contre et John Bolton mais en réalité est-ce que John Bolton ça le fait a le sens est-ce qu'il bon dans opinion pam c'est puis bagaille lâche que John Bolton t'a fait. Et ça montre le plus souvent l'homme la prend l'argent même la jeune vérité mais depuis qu'il y a intérêt monétaire la donne mon est toujours prêt pour choisir l'argent ou il le prend bon sens pour qui ça John Bolton lui-même il était un conseiller advisor pour sécurité aux États-Unis. Now il a prend job ça il fait seulement pour protéger l'Amérique, pour protéger contre son pays là contre tout terroriste, contre tout threat, contre tout monde qui t'a voulu craser loi, que c'est monde qui est en dehors, en parlant de foreign, ou bien monde qui est dans le pays, en parlant de domestique. Même contre le président des États-Unis, l'état de défendre le pays. Maintenant, monsieur est en position côté qu'il y a crime à fait. Crime ça a fait, eh bien, c'est de voile en tant qu'officier au service du peuple américain pour le relayer comme un sentinelle pour dire ah ça c'est criminalité que lié pour ta eh bien dit ça le eh bien ça monsieur fait malgré qu'elle connaît bien que Donald Trump c'est un danger pour la nationale sécurité malgré qu'elle connaît que Trump
pas qualifié pour job là. Malgré le ouais, tout erreur, tout bagaille que tu n'as pas fait, eh bien, monsieur, il était silence. Oui, il était capable volontairement offrir pour le bail information ça. Malgré que je connais vraiment les républicains qui t'a bloqué, je connais ça. Mais ça va permettre que lui-même personnellement, il a une figure qui est plus belle. Mais ça, monsieur fait, monsieur préféré à le vendre ce crayon pour 2 millions de dollars dans un livre au lieu qu'il t'ait aidé les démocrates pendant qu'il était gagné un impeachment. Ce so, qu'on va réaliser, comment que Adam Schiff, qui était chef, monde qui a fait et un truc contre Trump, avec Pelosi et tout le monde sérieux, comment vous fâchez? Parce qu'il demandé pour M. John Bolton de testifier, il refusait. Il dit qu'il ne peut pas testifier si on juge pas dit pour le faire. C'est ça qu'il fait, il manipule le système, non? Parce que vraiment, il y a un monde qui est en position occulte, il n'y a pas qu'à se lever pour aller sans qu'il n'y ait pas de balle d'autorisation. Mais il a dit ouais, m'a fait quand même. Mais il n'a pas fait ça. C'est qu'on y a là, de décider pour mettre bagaille dans le livre pour le vendre. Ça, c'est le parti démocrate là. Démocrate, vraiment senti fâché du fait que c'est comme ça que M. Fell. Dans le côté républicain, qu'on y a là, il est fâché. C'est pas parce que ça va le temps de dire la vérité, non? C'est parce que le parler, le parti, c'est parler même. Ouais, ça dépend qui côté qu'on y est dans le monde politique là. Si on a un bon ça, il bon pour vous, doesn't matter. Si on a l'autre bon ça, il bon pour vous, pas de problème. Eh bien, situation lui-même, il est dans le temps. Ou dès que pas personne qui a raison, tout le monde a bataille pour ça qui est voulu. Maintenant, on nous parle un peu de président Donald Trump aujourd'hui. Là. Pita, dans l'émission Les Grands Dossiers, nous va parler plus sur Jodia, qui est Jodia, John Tiff, qui ça signifie, et nous va parler un peu de racial relations aux États-Unis. Demain, si Dieu veut, Trump poil dans Oklahoma pour la. Et fait rassemblement qu'il devait mettre là. Son jeudi jeudi, c'est jeudi à ta fête. Mais à cause de Juneteenth, c'est un holiday jeudi en yeux pour les Noirs. Eh bien, il était cancel, il a voulu pour demain. Puis, le problème qui est en jeudi là, c'est parce qu'en haut, il y a déjà plus que 19 000 personnes qui attendent de participer dans ce ça. Magistrat dans Oklahoma, eh bien, il fait comprendre que quel sauté. Parce que vous n'avez pas de gros bataille qui est capable de faire en haut là. D'abord, partisan Trump déjà parlé en haut. En pile monde dans le groupe Black Lives Matter déjà aussi préparé pour aller manifester dans le groupe en haut. Ça veut dire, demain soir là, parlez-nous, les poils ont bagaille extraordinaire. Parce que vous poil non zone côté que deux groupes de monde qui parlent ouais, l'un l'autre. Ou parlent des white supremacistes qui parlent en haut. Des KKK qui parlent en haut, qui parlent supporter Trump. Et ou parlent en pile monde dans la partie de Black Lives Matter, peut-être en pile Black Panther aussi, avec en pile monde Antifa, qui parlent en haut là, qui parlent manifester dans les rues. C'est possible. Du feu. Capable de prendre en zone ça demain si Dieu veut. C'est pas ti bagay que lié. Now, si nous avons un président lui-même qui te remet la paix, nous avons espéré aujourd'hui là, nous avons un discours qui n'a pas le fait. Discours, nous avons un discours pour essayer de calmer la tension. Pour te dire que nous sommes le seul peuple que nous y sommes. Que nous sommes noirs, que nous blancs, que nous sommes rouges, nous sommes américains. Quel que soit côté qu'on campe, quel que soit parti qu'on belong to, eh bien, nous sommes seul peuple en nous fait tout ça nous faire avec la paix. Pas t'aimer demain si Dieu veut, t'as gagné un rien de mal qui fait. S'il vous plaît, peuple, moi, écoutez-moi, en nous unis nous. C'est ça que t'attendais dans mon président, si vous êtes un président normal. Mais c'est pas ça qu'on ouais, mais ça, Trump dit aujourd'hui là. À peine, il se voyait un tweet qui nous a gagné à peine de 3 heures de temps ou bien 4 heures de cela. Nous autres, l'île qu'on y a là. Monsieur dit comme ça que, il tendait que demain, si Dieu veut, il y a un peu de monde qui dit qu'il va protester, qu'il va faire manifestation pendant que l'on haut. Mais ça qu'il dit.
il dit any protesters, ça veut dire n'importe qui qui veut protester, quel que soit mon nom que lui, que c'est la paix, que c'est la guerre, doesn't matter, any protesters, anarchists, agitators, looters and low lives. OK. Qui demande de capoter cruel dans même pour nous mes amis. Protesteurs, nous connaissons mon capable protester. Anarchistes aussi des mon cap qui pas veulent la paix. Agitateurs aussi c'est mon capable c'est agiter mon pour la bataille. Looters, c'est mon capable casser caille cap voler bagaille et low lives. Nous pas connaît. Monsieur le besoin relé mon low lives comme si la vie petite comme tu carré ça. Vagabond ou bien et sans avoir, je ne sais pas qui m'a dit en créole, low life, ça veut dire que indigent, j'ai oublié là, c'est comme ça que je veux dire, c'est low life. So, moun sa yo, il fait comprendre que si moun sa yo gen mal, demain là, yo moutan oua, il dit nous sommes ce qui s'est passé dans d'ici à là, il va plus mal toujours. Parce que si nous sommes, Trump te mené National Guard là, dans d'ici à là, vous êtes bat moun yo, tir gaz, pousser moun yo, voye machine sou yo, c'est pas des bagailles que vous êtes fait à moun sa yo qui t'a manifesté dans la paix. Et Trump déclaré, je dis en là, ça fait presque 3-7 ans de bin voye. Il dit moins warning, moins dit attention à tout moun qui voulait venir protester. N'a songe bien que proteste, c'est un acte légal que lié aux États-Unis. La loi des États-Unis, by toute population, quel que soit monde qui dans pays, tout citoyen dans pays, quel que soit monde, même monde qui pour citoyen, ou bien doit pour camper pour qu'on pancarte dans mon pour manif pour protester contre bail que par main. Voilà le président des États-Unis, le chef d'État, le gardien de la loi, le gardien de la liberté. Homme ça, il déclare que quel que soit monde sans exception, que c'est la paix, que c'est la guerre, et bien demain si Dieu veut là, sous gen gren nan ou vini en oua, vini protester. Et ou poil ouais, ça caprivo. Ça c'est Trump qui déclare ça aujourd'hui là mes amis. Ou gen doit sur Twitter checker just type Trump tweet. Après tout ça le dit après ça m'a dit là qu'on y a là. Now parole ça qu'il dit là, d'abord, son parole qui parle excité, moun boit fait plus bagay toujours. Li aussi déclaré, parce que qu'on est, Trump dit que il t'a le moun vin en dans sans bagay masse. Il dit moun kapé de masse, li ketan konen, mi wap mene si vous capable, c'est pour li se louvle, offensé. L'on mette masse dans figure vin nan rassemblement lan, c'est li même qui vin offensé. Ça veut dire que, si vous mettez un masque dans figure, ou à l'assister, li kap pale, son offense, comme si de gado, c'est manquer des gars, quoi manquer le dégât. Ah, c'est le président qui dit ça. Malgré que, li fait moun yo signe au papier, qui dit comme ça que, ou signe que même l'autre malade, ou pas kamenem, ou bien compagne nan à la justice, mais l'exige pour pas mettre masque dans figure. Ça, c'est le président. Donc, à souhait là, mes amis, Peter n'a pas les plus sous bagayo. Et non seulement ça, demain, si Dieu veut, c'est juste ça que nous pas joindre. Eh bien, Trump qui va le parler. Et me souhaiter que promesse, ça a qu'il fait, les pata vraiment refaire. Parce que selon ça qu'il fait qu'on est. Eh bien, Peter là, en pile monde déjà monté à préparer. Et demain, pour le bagay extraordinaire. Non, moi, c'est Abner Gelin. HPM Haitian Public Media. Nawapita. Bye bye.